La chanteuse Louane fait partie des signataires, visuelle une centaine de signataires. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, intitulée « Monsieur Macron, êtes-vous de notre côté ?», parue dans le journal du dimanche, une centaine de personnalités dont Zabou Breitman, Louane Emra, Florence Foresti ou Agnès Jaoui, réclament l'instauration d'un « plan d'urgence contre les violences sexuelles ». Le texte dénonce l'insupportable déni collectif. Cet appel, lancé par des militantes féministes, sera mis sur la plateforme Change sous la forme d'une pétition. Parmi les premières signataires, on compte également la réalisatrice Lisa Asuelos, les écrivaines Marie Dariussec et Tatiana de Ronay, la journaliste Rokaya Diallo, l'actrice Valérie Donzelli, la chanteuse Imani, les philosophes Sandra Logier et Michaela Marzano ou encore la comédienne Anna Mouglalis. Le texte dénonce l'insupportable déni collectif face aux violences sexuelles que subissent les femmes en France. Une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelles. Certaines n'êtes plus là pour signer cette tribune, est sous les coups. Certaines n'êtes plus particulièrement concernées parce qu'elle est en situation de handicap, lesbienne ou subissent le racisme, soulignent les auteurs. Cinq mesures proposées. La tribune propose cinq mesures. Le doublement des subventions des associations accueillant les femmes victimes, une formation des professionnels en contact avec ces dernières, la création d'un brevet de la non-violence à la manière du brevet de la sécurité routière au collège, la formation obligatoire contre le harcèlement sexuel en entreprise et une vaste campagne de sensibilisation. Un plan d'attaque pour faire face à une crise grave, conclut la lettre.